Nono is back! Nono est de retour après 3 jours d'absence. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on commence cette vidéo avec peut-être une bonne nouvelle, mais peut-être une mauvaise pour toi. Marco Verratti au Paris Saint-Germain, c'est terminé. Here we go! C'est terminé entre le Paris Saint-Germain et Marco Verratti. Marco Verratti signe à Al Arabi au Qatar. Transfert chiffré à 45 millions d'euros. Le joueur se rendra à Doha dans les prochaines 24 heures pour y passer sa visite médicale et signer son contrat. Voilà, Nono, c'est terminé. Après le départ de Lionel Messi, Neymar Junior, Sergio Ramos, Wijnaldum, Renato Sanchez, Leandro Paredes et plusieurs autres joueurs, Paris dit au revoir à Marco Verratti, 11 ans au club, qui n'aura jamais vraiment été décisif, très très bon milieu de terrain, mais comme les autres, il n'aura pas supporté la pression à 30 ans. Bah, il quitte très clairement le football européen pour le football qatari. C'est bien triste, mais quoi qu'il en soit, il va toucher un bon pactole, donc il n'y a pas de quoi être triste non plus. Alors, beaucoup se demandaient est-ce que c'est vraiment une bonne solution de le virer comme ça. Moi, je pense que oui, Nono. Au début, je trouvais ça un peu dur, mais je ne trouve pas ça si dur que ça, parce qu'on a vu encore une fois il y a quelques jours que Marco Verratti a pris une photo avec un supporter du Paris Saint-Germain, le briquet et la cigarette à la main. 45 millions d'euros, tu l'as acheté 11 millions d'euros, tu le revends 4 fois plus cher à 30 ans. Donc je pense qu'il fallait mieux se séparer et que c'est une bonne nouvelle. Le Paris Saint-Germain a prévu de lui rendre hommage au Parc des Princes une fois son départ annoncé. Qu'est-ce que tu penses du départ de Marco Verratti, Nono? Est-ce que c'est bien vendu? Et surtout, est-ce que le PSG a eu raison de s'en séparer? Ah ben c'est la fin du feuilleton Verratti, 11 ans au PSG, 2-3 bonnes premières saisons. Après, il est parti en vrille, hygiène de vie déplorable. Il n'a jamais voulu se reconcentrer sur le ballon, dommage. Moi, je l'ai beaucoup défendu. Je trouvais que c'était un très, très grand talent. Malheureusement, Luis Enrique en plus n'en voulait pas. Et là, on a vu qu'il était cramé, hein, tout simplement. Donc, il n'y avait plus de possibilité de continuer. Eh bien, bonne route, Marco, mais je pense que ça sent surtout la fin de carrière. Alors c'est un joueur qui n'aura jamais fait de Coupe du Monde. C'est un joueur qui quitte le football européen à 30 ans. Juste réponse très rapide et question très rapide. Est-ce que le PSG a bien fait de le vendre et de s'en séparer? Mais 45, c'est inespéré. Jamais je pensais qu'on pourrait vendre Et il y en a qui Verratti disent que c'est 40. mal vendu. Non, non, hein. Il y en a qui disent qu'ils osent dire que c'est mal vendu, hein, alors qu'on l'a acheté 11. Ah, mais 45, c'est très très bien vendu. Vu surtout dans l'état physique qu'il est. Et Dieu sait que je l'ai défendu, mais il dépassait plus la 60e minute. Il avait le souffle coupé. Donc c'était fini. Et Enrique, qui est intransigeant là-dessus, ça pouvait pas coller. Voilà, tout simplement. Après, quand même, un coup de chapeau à Luis Enrique qui a eu les couilles de faire ce que aucun autre avant lui avait osé faire. Personne n'aura réussi avec ce joueur à le canaliser. Ni Carlo Ancelotti, ni Laurent Blanc, ni Pochettino, ni Emery, ni Tuchel, ni Galtier. Le seul qui aura réussi à penser que c'était ingérable, c'est Enrique. Je pense que Enrique pensait, Nono, que c'était vraiment ingérable et qu'il ne voulait pas avoir de problème dans le vestiaire. C'est pour ça qu'il a décidé aussi de ne pas le mettre dans l'effectif. Eh ben aussi bien pour lui que pour Neymar, Enrique a été le seul à dire non, stop, ça suffit. Eh ben pour moi, c'est une très belle promesse pour la suite. Alors d'ailleurs, on va en parler de Neymar et de Messi dans quelques instants, mais d'abord, l'ancien agent de Marco Verratti se lâche sur le Paris Saint-Germain, Donato Di Campli, ancien représentant de Marco Verratti. Il commence à parler du transfert qu'aurait dû avoir lieu de Marco Verratti au Barça en 2017. À cette époque, l'attitude du Paris Saint-Germain est toujours celle du chantage. Nous avions décidé d'aller à Barcelone, cela n'a évidemment pas plu à l'émir. Al Khelaifi m'a même dit que si je continuais à essayer de le transférer au Barça, Verratti allait me laisser tomber. Et c'est ainsi que cela a fini par se produire. Bien sûr, Marco a eu peur, il ne le reconnaîtra pas, mais c'est le cas. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration? Un agent qui se lâche, hein. Bon, ben, les agents, ils préfèrent mieux de se taire, à part l'oseille, je vois pas à quoi ils pensent. C'est vrai que le Barça était intéressé, c'est vrai qu'il voulait y aller. Bon, on sait que c'est très très dur de partir du PSG, très dur pourquoi? Parce que déjà, tu as un salaire extraordinaire, extravagant, donc compliqué. Et puis n'oublions pas qu'à cette époque-là, Verratti était encore une belle promesse, hein. Ah bah, le Barça avait proposé 100 millions d'euros. Ah ben oui, tout le monde kiffait Verratti, Enrique le kiffait, Messi le kiffait, tout le monde le kiffait. C'était la mode Verratti à l'époque. Alors, Di Campli qui dit faire partir Verratti, d'accord, mais le remplacer, ne pas le remplacer, de ne pas le remplacer, c'est irresponsable. Ah oh ben lui, je sais pas, je sais plus,
Je ne sais plus qui il représente comme joueur. Je pense qu'il doit Non, mais a-t-il vraiment tort, Nono? T'as pas remplacé Verratti, quoi qu'il en soit. On n'a pas remplacé Verratti, mais on a remplacé par des guerriers. Et je pense qu'on est gagnant au change. Malgré tout, c'est vrai qu'il manque un créateur. Mais je pense qu'on a quand même gagné au change. Alors, Nono, on sait que. Excusez-moi. Excusez-moi. Adios, Marco. On sait que bon, le PSG n'est pas très apprécié, hein, que ce soit en France, que ce soit par les agents, ou par même les médias. Toi-même, le premier, tu as dit que l'équipe et le Paris Saint-Germain, c'était pas une grande histoire d'amour. Alors, il n'y a pas que Donato Di Campi qui se lâche sur le Paris Saint-Germain. Beaucoup de gens ont parlé de Verratti aujourd'hui, dans le bon comme dans le mauvais. Alors, il y a un ancien rédacteur de l'équipe qui dit. Il y a eu plusieurs fois où j'ai donné des informations que le club a jugées nuisibles et a demandé ma tête à l'intérieur du journal. Cette même personne aurait reçu des pressions de la part de Nasser Al-Khelaïfi et de son entourage. Les gens de son entourage m'ont fait passer leur colère chaque fois qu'ils le peuvent. Ils profitent de leur pouvoir pour intimider et ils y parviennent généralement. Ah ben j'aimerais bien déjà avoir le nom de ce journaliste. Non, non, c'est sous. Oui, j'ai T'as compris, c'est compris. anonyme. 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 Oui, bon ben c'est vrai, parce que bon, l'équipe dit tellement de conneries que bon, je sais que les rapports l'équipe PSG sont pas excellents. C'est pour ça, des fois, je me demande des informations d'où ils les sortent. Bon, ben maintenant, c'est sûr que Nasser, c'est pas un enfant de cœur. Hein. Alors il y a un employé du PSG qui défend Nasser. Hein. Quand Nasser a été accusé d'enlèvement et d'une implication dans une affaire de torture, les médias sont contre lui, ils le détestent, ils détestent qu'il se porte bien. Tout le monde l'a insulté lors de la Coupe du Monde au Qatar. Lorsque la Coupe du Monde au Qatar a été annoncée, et après avoir vu le succès de la Coupe du Monde, personne n'a demandé pardon à Nasser Al-Khelaïfi. Et un agent français qui dit sur Nasser Al-Khelaïfi en tant que président du Paris Saint-Germain à propos de sa nomination depuis 2011. Il n'y avait pas de meilleure personne pour être président. Il avait de l'expérience dans le sport. Il avait vécu une grande partie de sa carrière en France. Et il bouge comme un poisson dans l'eau dans les loges. Eh bien, écoute, voilà, hein, moi je dis merci à Nasser pour une chose. Merci de nous avoir amené de très très grands joueurs à Paris. Merci de nous avoir amené, même si ça n'a pas marché, les trois meilleurs joueurs du monde. Donc la critique sans arrêt sur le PSG, eh bien je leur dis non, je leur dis non. Bon, ils ont fait des erreurs, ok, mais il faut leur dire aussi merci sur deux, trois points. Voilà, t'enlèves le PSG du championnat de France, t'enlèves les Qataris, eh bien tu as un championnat qui sera au niveau de la Bulgarie, hein. Alors un agent français qui était avec Mbappé, il a clairement indiqué sa position, il était toujours calme. Il savait que tout allait s'arranger, il mesure très bien les temps et à la fin, il s'en est sorti et il s'en sortira encore. Est-ce que ça veut dire que Mbappé prolongera? Ah, ben ça veut dire, je ne sais pas s'il prolongera, mais une prolongation n'est pas impossible. Alors, il sait qu'il a été choisi du doigt pour devenir président du PSG, pour sa bonne relation avec l'émir du Qatar. Il n'aime pas qu'on parle de lui, il préfère être dans l'ombre. Ah, ben ça, c'est sûr. C'est vrai que Nasser, on ne le voit pas souvent. On le voit que quand vraiment ça chauffe à Paris. Bon, ben écoute, j'espère qu'il va changer un peu, qu'il sera un peu plus avec l'équipe. Alors, Nono, Neymar qui devient le plus grand buteur de l'histoire de la Seleção, qui dépasse le roi Pelé et qui devient aussi le meilleur passeur de l'histoire de la sélection, qu'est-ce que ça t'évoque? Ah ben moi, je vais te dire sincèrement, Sacha, j'ai les nerfs. Pourquoi j'ai les nerfs? Bon, de toute façon, je change pas d'avis. Il ne fallait pas garder Neymar. Il n'aurait pas changé. Mais quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire, lui et Messi, alors moi, je veux bien, tout le monde a dit, Messi cramé, Neymar cramé. Bon, ben, une semaine après, Neymar qui dépasse le roi Pelé, hein, au niveau du nombre de buts, qui est décisif dans le dernier match. Messi qui est dans une forme étincelante, qui te met encore un coup franc en pleine lucarne, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Non, c'est Quelle simple. embrouille ils nous ont Bah, c'est fait? simple. Voilà, je te pose la question. Ils respectaient pas le Paris Saint-Germain. Ils sont venus pour l'oseille, les deux. Messi, il est venu parce que personne ne voulait de lui et qu'il voulait préparer sa Coupe du Monde, donc il n'avait pas le choix. Et ces mecs-là respectent plus leur pays que le Paris Saint-Germain, c'est tout. Donc pour moi, Eh ben les oui, deux ont mais moi. fauté. Pour moi, les deux ont fauté. Les joueurs ont fauté et le Paris Saint-Germain a fauté. Pour moi, c'est du 50-50. Voilà. Ah ben je suis d'accord avec toi. Mais qu'on vienne pas me dire, là c'est plus l'Inter Miami, c'est plus l'Arabie Saoudite. Ils viennent de jouer la semaine dernière avec les équipes nationales. Donc c'est le haut niveau. Peu importe l'équipe qu'il y avait en Alors face. Neymar avait raté un pénalty juste avant, mais juste avant aussi une occasion où il dribble 5 joueurs et qui aurait pu aussi marquer un but exceptionnel.
Mais bon, quoi qu'il en soit, Nono, ces mecs-là ont toujours respecté leur sélection, mais n'ont jamais respecté le Paris Saint-Germain. Donc, moi, quoi qu'il en soit, ils peuvent marquer 55 buts avec leur sélection. Moi, j'étais pour qu'ils partent et je suis toujours de cet avis-là. Ah, ben c'est du foutage de gueule, tout simplement, tout simplement. Et ça me met, et je te cache pas, ça me met les boules. Ça me met les boules. Il a pas mis un, je sais pas, il a mis un ou deux coups francs avec Paris, là, depuis qu'il est parti, il en a mis une dizaine. Voilà, l'implication de Messi, qu'il l'avait pas. Neymar, pareil. Eh ben écoute, moi, ça me met les nerfs. Alors le match de Ugarte avec l'Uruguay, 95% de passes réussies, 25 récupérations, 25 tacles réussis, des stats parfaites, match impressionnant avec l'Uruguay. Une petite réaction sur Manuel. Ah ben une réaction qui va être même assez forte. Ugarte, magnifique, qui vient de faire une masterclass. Valverde, qui est en admiration devant son compatriote, il ne pensait pas qu'il était à ce niveau-là. Et moi, je l'avais dit, rappelle-toi, dans une vidéo, il avait tous traité de tocard, un ou deux matchs amicaux où il n'avait pas été très bon. J'ai dit, attendez, attendez, c'est une des priorités de Bielsa. Alors, Et tu vois, je ne me suis pas trompé. bravo Campos ou parce que quand il fait des choses bien, faut le dire quand même, non? Eh bien, même à 60, bravo Campos. Et tu vas voir, ça va être le chouchou du parc. Et Oui, mais bon, Nono, celui-là, bravo Campos sur ce coup-là, hein, pas sur les autres trucs, hein. bon, bravo Campos sur ce coup-là. Bon, c'est vrai qu'il l'a peut-être payé un peu cher, mais c'est une très belle pioche, très très belle pioche. Alors, bon, bah voilà en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Donc, prochain match vendredi. Vite fait, un petit mot sur le prochain entraîneur de Lyon. On a vu les favoris. Qu'est-ce que t'en penses? Habib Bey, Gennaro Gattuso? Eh ben, je vais te dire, il n'y a plus grand monde pareil qui veut aller à Lyon. Là, ça va être embêtant pour eux. Habib Bey, bon, très bon consultant. Comme entraîneur, pour l'instant, bon, bah, à part le Red Star, il n'a rien fait. Gattuso, il n'est pas très excitant. C'est un football très physique. Donc, voilà, ils n'ont pas un choix extraordinaire, hein. Luis Rubiales qui annonce qu'il démissionne de son poste de président de la Fédération espagnole. Un petit mot. Ah bah, il était temps, c'était une position qui était intenable. Alors, bon, bah, Kolo Muani devrait être disponible pour le match France-Allemagne. Un petit mot aussi, Nono, sur la bonne prestation de Asensio avec l'Espagne. Malheureusement, il sort sur blessure. Et surtout, encore une fois, le petit phénomène qui est encore éclos avec ce but. Ce but pour sa première sélection. Éliminatoire de l'Euro contre la Géorgie, certes, mais voilà, à 16 ans, à 16 ans et un mois et demi, à 16 ans et 70 jours, déjà sélectionné avec l'Espagne, déjà buteur avec la sélection espagnole, titulaire indiscutable au Barça avec Xavi. Qu'est-ce que tu faisais toi à 16 ans, Nono? Ben, à 16 ans, j'étudiais encore. Ben là, je vais te dire le cas de ce petit jeune. Bon, ben là, tu as la nouvelle pépite du football mondial. À moins qu'il lui arrive un accident, une blessure ou quoi que ce soit. Là, sur ce que j'ai vu, il me fait beaucoup penser à Messi au même âge. Vraiment impressionnant, impressionnant. S'il n'est pas mangé par tout ce qui est autour du football, je crois que ça va être un très, très grand. Ouais, parce qu'en plus le but contre la Géorgie, c'est quand même assez exceptionnel. Alors Hansi Flick, limogé de son poste de sélectionneur de l'Allemagne, à quelques jours de Allemagne-France, défait 4-1 face au Japon. Faut pas oublier que l'Euro est en Allemagne en plus de ça. Est-ce que Joachim Löw va revenir? Eh ben moi, je vais te dire, je vois plutôt Nagelsmann arriver Oui, avec. Nagelsmann, pour l'instant c'est Rudi Völler hein, qui assurera l'intérim durant le match amical face aux Bleus. Il y a Nagelsmann qui est le favori pour remplacer Flick, mais on sait souvent que Nagelsmann est tout le temps favori, mais à l'arrivée, c'est jamais lui qui est pris. Hein. Donc, Oui, parce qu'il sait ce qu'il veut déjà, donc c'est une preuve que c'est pour moi, c'est un entraîneur à caractère. Bon, ben, l'Allemagne est très malade, hein, ça fait quelques années que ça va plus du tout. Pourtant, ils ont les joueurs. Bon, ben, peut-être qu'il fallait changer. Alors, dernière info sur le Paris Saint-Germain, Nono, les départs de Lionel Messi, Neymar, Ramos et compagnie ont financé le recrutement du Paris Saint-Germain de cet été. Paris a recruté pour 314 millions d'euros, mais a vendu pour 225 millions d'euros. Ça n'avait jamais existé au Paris Saint-Germain, même sous l'ère QSI. C'est un record absolu. Et malgré plus de 300 millions d'euros dépensés, plus de 225 millions d'euros ont été vendus cet été. Donc le fair play financier a été respecté à 1000%. Ah ben, ils rentrent dans les clous. Ben, en plus, avec la masse salariale,
Imagine, rien que le salaire de Neymar et de Messi, les économies que ça fait, je ne te compte pas le reste. Oui. Donc tu rentres dans les clous, hein, Et tout Nono, simplement. petit débat sur Ousmane Dembélé, très bon joueur, mais les gens se demandent si un jour il marquera un but et fera une passe décisive. Est-ce que ça peut être un problème pour le Paris Saint-Germain? Certains supporters déjà disent qu'il est possible que s'il n'est pas plus décisif, peut-être que Enrique pourrait décider de le mettre sur le banc et partir avec une attaque peut-être autre que celle Ah bah Voilà. c'est possible, avec Enrique tout est possible, Voilà. personne n'est titulaire. Bon, le problème d'Ousmane, bon bah au niveau des contrôles il est exceptionnel, au niveau de la vitesse il est exceptionnel, mais malheureusement il n'arrive pas à cadrer, ses frappes sont toujours très incertaines, donc c'est son problème, c'est son manque de Alors, statistiques. Nono, on va faire. Quelle attaque tu préférerais pour le PSG? ABC. Alors, A, on a, en A, on a Mbappé, Colomouani, Dembélé. En B, on a Dembélé, Mbappé, Asensio. En C, on a Mbappé, Ramos, Barcola. En D, on a Mbappé, Colomouani, Asensio. Laquelle tu Oh là préfères? là, bah, le choix est très très difficile. Qu'est-ce que je peux te répondre? Asensio, il est en Bon, pleine bourre. Asensio, il est en pleine bourre et je pense que ce serait une erreur de le mettre de côté, hein. eh ben voilà, le problème, tu peux faire jouer que 11 joueurs, donc c'est compliqué. Comme tu as dit, Asensio, j'y croyais pas du tout. Je reconnais, moi, quand j'y Attends, ça croyais fait que deux pas. matchs, attention, hein. Oui, ben, je pense qu'il est bien. Je pense qu'il est bien. En plus, il a une très belle frappe de balle. Ben, pour l'instant, je vais te dire honnêtement, je suis emmerdé. Alors je vais rester sur l'attaque de l'équipe de France. Et bien on verra ce qui se passera. En tout cas, voilà pour les infos du jour. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss!